président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas candidat. Il n'y a pas plus de deux mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de deux mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Pour vous entendre parler, monsieur le ministre, c'est déjà, on peut dire que l'option sur le référendum est déjà prise. Mais pour quelle finalité? J'ai l'impression que nous échapperons difficilement à cela, parce qu'on a tellement dramatisé cette histoire. On n'a laissé à personne le temps de pouvoir dire exactement ce qu'il pense, que des citoyens se sont levés et ils ont demandé, parce qu'il y avait comme un défi vis-à-vis de ceux qui soutiennent la majorité. Dites-moi maintenant, par quelle force on va s'opposer à 140 000 pétitionnaires alors que la Constitution donne le droit à 100 000 seulement de déclencher... Pour quelle finalité un troisième mandat pour Kabila? Pour ce que les 140 000 demandent. La liberté pour les Congolais de choisir leurs dirigeants, même parmi ceux qui ont déjà fait... Même après, même ceux qui ont fait déjà deux mandats... Absolument, voilà. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas candidat. Il n'y a pas plus de deux mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de deux mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre.